Le livre des fesses. Les fesses, ça marche toujours par deux. Elles servent à recevoir les fessées et les fessées laissent parfois des traces sur les fesses. Les fesses aussi laissent des traces. Il y a la paire de fesses de cochon, ça fait deux gros jambons. Il y a le popotin de l'hippopotame, bien plus gros que celui des dames. Il y a les petites fesses de la mouche. Le derrière des étoiles de mer ou celui des poissons. Le postérieur de l'âne. La croupe du taureau, celle de la vache ou les gigots tricotés de laine du mouton. Le séant de la girafe. Et les fesses bariolées de l'okapi dont tout le monde rit. L'arrière-train du lapin, bientôt cuit au romarin. Les deux jambons du cochon, bien ronds. Et le croupion, bientôt grillé, du poulet. Il y a des fesses douces comme de la peau de pêche d'abricot. Des rugueuses, comme les troncs d'arbres. Et les toutes rondes, du potiron. Il y a des fesses froides et lisses des statues. Le cul de bouteille et le cul de sac. Le cul du camion qui pue. Il y a aussi les jolies fesses de ma poupée et celles de mon nounours bien rembourrées. Il y a les fesses de ma maman, celles de mon papa et puis mes fesses à moi. Tout le monde a des fesses, même les princesses. Et les mamies ont-elles des fesses? Voilà, bonne histoire du soir.